di Bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et dans cette vidéo je vais te présenter 5 yaoi des éditions Anna donc si la si t'intéresse on... donc dans cette vidéo je vais d'abord te repasser un petit bout de vidéo qui est un bilan de lecture que j'avais fait donc de mes lectures du mois de décembre où je te présentais du coup Faker et Heartbroken Junkie. Ne t'inquiète pas de toute façon dans euh, la piste tu verras donc le sommaire et tu peux zapper si tu avais déjà vu ces vidéos là et cette présentation de ces titres. Mais comme là je fais une vidéo présentation de manga Anna, euh, bah, tout simplement j'ai décidé de les euh, glisser avec parce que comme je vais refaire une deuxième vidéo aussi avec les derniers titres des éditions Anna... Ça permet vraiment que tout soit concentré aussi avec que des yaouis de Anna. Et dans le reste de la vidéo, donc la deuxième partie, je vais tout simplement te retrouver aujourd'hui avec du coup un full love son. On va avoir Fall in love my new boss et Hate my Mia. Donc si ça t'intéresse, du coup, je te laisse aller voir dans la barre d'infos pour avoir le timer code et savoir quel manga t'intéresse le plus. Donc on va commencer avec Faker. Je ne vais pas le tenir longtemps parce qu'il est trop lourd pour moi. Je rappelle au cas où j'ai été opéré des bras et je ne peux même pas soulever 500 grammes. Euh, une bouteille de 32 cl c'est tout juste à accepté Et un manga déjà comme un shoujo de Pika, ça pèse déjà dans les 200 grammes et celui-ci est beaucoup plus épais. Voilà, donc c'est juste histoire de... Tu le vois visuellement, c'est tout. <laughs> Il est trop lourd. Donc en ce qui concerne le manga Faker, donc euh, nous sommes sur une sortie euh, récente, hein, c'est des mangas de cette année. Euh, juste si vous m'aimez, euh, je vous ferai mourir de plaisir, phrase d'accroche. Et Hiroki Segawa a une liaison avec son supérieur, cependant il se voit euh, plus depuis quelques temps, 6 mois. Un jour... Après avoir trop bu, il se réveille dans un hôtel, il se retrouve à coucher avec un de ses collègues, Mikami, Mikami qui lui assure des douces paroles, lui prodigue des baisers, torides et au réveil un corps, euh, son corps au plaisir et réveille son corps au plaisir pardon. Euh, Mikami lui affiche toujours un grand sourire et se montre plutôt indolent. Au réveil, après avoir montré à Segawa une photo de lui dans les bras de son supérieur, Mikami lui propose, lui propose oui qu'ils se mettent en couple. Alors c'est plus tordu que ça en fait. Je vais t'expliquer. Donc on a euh, Hiroki Segawa, Hiro. On va rester sur Hiro et Mikami et donc le supérieur. Donc Hiro est en couple, En couple. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Avec un de ses supérieurs. Il est avec un de ses supérieurs. Son supérieur est en couple avec une femme, mais il couche à droite à gauche, et il couche surtout avec donc Hiro. Sauf que ça fait six mois qu'ils n'ont rien fait. On le sait dès le premier chapitre, donc euh, ce n'est pas un spoil. Euh, donc, euh, du coup, premier, euh, au tout début du manga, on voit Hiro aller à un bar où il a l'habitude et euh, se plaindre en fait auprès du barman. Oui, ça, il veut encore pas de moi ce soir et tout, il m'a encore foutu un ventre, j'en bon ai marre, gna, 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 gna pff, Voilà, on se souvient la gueule. Et donc, le barman essaye de le ramener chez lui. Euh, enfin, Hiro, ramener Hiro chez Hiro. D'accord Et en fait, euh, Mikami. Oui, c'est ça, c'est Mikami. Euh, lui va le croiser le soir et dire euh, donc au barman Écoutez, c'est un de mes collègues, il n'y a pas de souci, je le ramène tranquille. Hiro est tellement torché qu'il n'est pas capable de lui donner son adresse à lui, donc Mikami l'emmène à l'hôtel, couche avec, ce que c'est un viol, parce que Mikami, enfin Hiro, Hiro n'y a pas conscience d'eux, est persuadé d'être avec son supérieur. Et il le dit. Il dit le nom de son supérieur. Donc Mikami est très bien au courant. Tu vois déjà ce qui m'énerve un petit peu C'est après que tu sois torché et que finalement tu essaies de sortir, de coucher avec quelqu'un parce que besoin d'affection et tout ça, ça peut se comprendre. Mais là, non. Il a dit le nom de l'autre. Et Il y en a profité. Donc le lendemain matin. Euh, Hiro se rend compte de ce qui s'est passé. Mikami lui dit, j'ai une photo de toi avec ton supérieur sur mon téléphone. Soit tu fais ce que je te dis, soit je publie la photo. Et en gros, ce que je te dis, c'est lâche ton supérieur, viens avec moi, sors avec moi. Voilà. On va continuer avec tout simplement le fait que la photo fuite. Et on va nous expliquer le pourquoi et le comment. Et la relation, etc. sur les personnages. Je n'irai pas plus loin parce que ça, c'est vraiment à peu près le premier chapitre. Mais personnellement, j'ai été extrêmement déçue. Déjà parce que, bon, euh, au niveau du scénario, me dire que, bon, euh, il avait couché, ça pouvait encore passer. Mais là, le voir en fait dire, Mikami va dire qu'il est vraiment. Amoureux, amoureux de Hiro, mais tu le violes, tu le menaces, tu fais des coups tordus, des coups de pute, etc. Voilà, j'ai totalement décroché et je n'ai pas spécialement apprécié de lire cette histoire. Après, je t'avoue que honnêtement, je suis allée beaucoup plus loin que le prochain manga que je vais te présenter. Et lui, j'ai même lu le résumé à ma mère pour lui dire à quel moment tu vois qu'il va avoir un viol. Il en a pas. Donc, on continue avec des mangas euh, qui posent problème sur des sujets problématiques comme la VIO. Tu connais la chanson Avec Her Broken Junkie. Écoute bien le résumé, dis-moi à quel moment tu vois qu'il y a ça. A pas cette couleur par là donc j'ai pas cette couleur faudrait que j'ai un truc euh, un, un rond un truc comme ça pour prévenir à l'avance C'est <laughs> un petit warning. Oui, enfin je trouve une illustration juste de la bonne couleur pour que tu comprennes à un moment donné qu'on va parler de ça euh, ce serait tellement bien s'il m'aimait vraiment Keita est depuis longtemps secrètement amoureux de son ami de lycée Rio pour parvenir à l'oublier et tourner la page, il enchaîne les conquêtes. Ça se comprend. Et que... euh, donc il enchaîne les conquêtes, mais il est attiré que par des hommes hétéros, ce qui se termine inévitablement par un cœur brisé. Et à chaque fois qu'il se fait plaquer, Ryu, euh, donc, c'est ce, celui. Qui, enfin, donc on a Keita qui est amoureux de Ryu. Donc, à chaque fois que Keita se fait plaquer, Ryu est là pour le, euh, penser ses plaies et le consoler. Penser ses plaies, c'est réellement parce que des fois, il se prend un truc dans la gueule et qu'il a des petits bobos au visage, aux mains, etc. Les choses changent lorsque leur relation devient physique. Mais Keita sait très bien que malgré le S-E-X, Ryu ne le voit que comme un ami. Keta parviendra-t-il à l'oublier et aura-t-il finalement le courage d'avouer ses sentiments au risque de mettre un terme à leur amitié Découvrir une relation pleine d'amour et d'humour. Il s'est cassé son gueule tout seul. À quel moment tu vois que là, on va avoir la couleur On va avoir la couleur très très tôt. Mais alors très très tôt. J'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Je n'ai pas aimé du tout ce que j'ai lu. Vu que de toute façon on avait ce, ce truc là qui me dégoûte et qui m'énerve au plus haut point. Combien de fois on dit aux maisons d'édition, surtout dans les yaoi, qu'on en a marre de voir ça. Donc on va attaquer bah, dans l'ordre que je te les ai présentés avec du coup le titre Fall Love. Son. Donc en ce qui concerne ce manga, alors toutes les informations, catégorie, euh, date, etc. C'est à côté de moi. Je ne suis pas là pour ça. Là vraiment, je suis là plus pour te donner un avis, c'est plus un bilan lecture YAOI que une présentation individuelle, etc. Euh, on est avec Yachiyoi On va dire Yachi. Hein. Euh, guitariste surprend un homme appelé Tomizo chanté depuis la benne à ordure, Oui, oui. Sans hésiter, euh, il invite à rejoindre son groupe de rock, les euh, Shuka. Ah ouais, le nom on, on est d'accord. Mais alors qu'il s'apprête à rejoindre une salle de concert, Tomizo se fait interpeller par une voyante lui affirmant qu'il euh, qu rencontrera bientôt la personne qui lui est destinée. Un barman, un prof, un musicien. Omnibulé par cette vision, Tomiso erre à la recherche de sa potentielle âme sœur. Ignorant les tensions qu'il provoque au sein de son groupe, surtout celui qui a toujours été là pour lui. Suivez l'histoire d'amour d'un rocker passionné. Y a-t-il quelqu'un pour me sauver et m'aimer Voilà la phrase d'accroche qu'il a décrite. Donc en ce qui concerne ce manga déjà, à savoir que pour la qualité de dessin, j'en suis pas spécialement fan, il y a un côté très mélancolique là-dessus, mais ça colle tout à fait à la série. Donc pourquoi pas, même si j'aime pas du tout la qualité de dessin, c'est vraiment pas mon délire. Pour ce qui est donc de cette série, on va suivre les aventures d'un jeune homme qui... Euh en fait, il a tout perdu. Il n'a rien. Il n'a pas de famille. Il a personne. Donc, il est dans la rue. Il est en train de, Il est dans une poubelle et il est en train de chanter. Et en fait, un jour, ben, dans la même rue, va passer du coup le guitariste qui est Yachiyo et euh, Yachiyo je pense que ça dit comme ça, enfin bon, bref, et euh, il va lui proposer donc de rentrer dans son groupe. Malheureusement, un autre jour, plus tard, il va rencontrer dans cette voyante qui va lui dire « Tu vas bientôt rencontrer ton âme sœur, méfie-toi, enfin fais attention et tout ça. » Et à chaque fois qu'il va rencontrer un nouveau mec qui va potentiellement s'intéresser à lui, il va être persuadé que c'est lui, que c'est sa moitié, etc. Et donc il va le mettre trop en avant il va trop s'en occuper et délaisser son groupe ce qui crée des tensions ce qui crée des engueulades entre les membres de son groupe donc restera-t-il auprès de son équipe ou est-ce qu'il va abandonner son groupe pour l'amour je te laisserai le découvrir du coup dans ce manga pour ce qui est du manga en soi personnellement je ne suis pas alors je vais pas dire je ne suis pas allée très loin parce que je suis allée à peu près à la moitié je me suis arrêtée à l'acte 5 alors l'acte 5 qui est page 115 et donc ça se finissait à page 215. Voilà donc il me manquait une centaine de pages. Mais honnêtement je n'ai pas du tout accroché parce que le côté très mélancolique, euh, j'ai pas du tout accroché à l'univers. En plus le côté euh, tout simplement du personnage qui euh, reste fixé sur ce truc de la voyante etc. Je trouve ça dommage parce qu'en fait comme on nous sous-entend et suggère dans le résumé ben euh, Yashio euh, lui s'intéresse finalement à son chanteur et le chanteur ne voit rien et c'est dommage et puis la façon dont c'est écrit fait que je n'ai pas totalement apprécié l'histoire elle est plutôt sympa en soi mais voilà ce n'était tout simplement pas fait pour moi oui quand on voit que les deux premiers mangas aussi que je t'ai présenté je n'ai pas totalement accroché on peut se demander s'il y a eu des titres que j'ai aimés et la réponse est oui dans la suite on va donc continuer avec Fall in Love, My New Boss, qui va avoir un scénario assez déjà vu au niveau des mangas. Tono, nouvel arrivant dans une entreprise de construction, se voit confié pour sa formation de chef nommé euh, à un chef, pardon, nommé Mizu Savoie qui s'avère être en réalité son ami d'enfance. À présent, son subordonné est alors euh, et alors qu'il doit garder une certaine distance avec son supérieur, Tono remarque néanmoins que Mizu euh, Savoie est toujours aussi classe qu'avant et qu'il est devenu quelqu'un de confiance sur qui on peut compter. Cependant, ses retrouvailles avec Mizu euh, Savoie vont lui faire euh, prendre conscience de ses sentiments envers ce dernier. Un nouvel employé retrouve son ami d'enfance devenu à présent son supérieur. Donc voilà la phrase aussi d'accroche. Donc en ce qui concerne ce manga, comme tu peux le voir, on va être donc du coup sur un scénario assez cliché et assez déjà vu. Les éditions Anna nous ont principalement présenté quand même pas mal de titres dans ce genre-là. On est donc sur des meilleurs amis d'enfance. Ils ont été séparés, je crois, au niveau des années de fac, etc. Et je crois qu'il y a aussi une petite différence d'âge. Et donc, ben, tout simplement, ils vont se retrouver au travail. Euh, celui euh, Tono, du coup, qui est le nouvel employé, va se rendre compte que bah, Mizu, j'ai toujours du mal à retenir le nom Mizu Savoie est donc devenu quelqu'un de classe important, sur qui on peut compter, qui travaille super bien, etc. Et il va se laisser emporter par le charme de ce dernier. Mais j'ai vraiment apprécié parce qu'on avait aussi le côté construction au niveau du travail, voilà, c'est des euh, architectes, et euh, aussi le côté en fait. Ben, donc, 'au départ mise ou va lui dire qu'il n'a pas trop envie de se mettre en couple parce que déjà il n'aime pas trop même sur ses jours de repos fréquenter des gens de son travail même si son meilleur ami d'enfance à la base ben voilà il y a aussi cette barrière meilleur ami d'enfance, plus collègue de travail, mais en même temps il euh, y a peut-être des sentiments etc mais ce petit mélange là en fait va faire quelque chose de tout doux, de simple, efficace et que j'ai énormément apprécié donc ma foi pourquoi pas, et je te le recommande vivement, surtout si tu as mis à cette catégorie, ou si c'est une catégorie de manga au niveau du résumé, que tu n'as pas encore euh, totalement euh, liquidé au niveau de toutes les séries possibles de disponibles, en tout cas chez les éditions Anna. Donc on va terminer avec Hate My Mia. J'hésite en fait entre lire le résumé et essayer de t'en faire un, mais on va être du coup sur lire un résumé. Koji maizawa et Akito Miya. Mia, mais avec écrit M I Y A, son ancien camarade de classe qui travaille dans la même entreprise. Maisawa déteste Mia, qui euh, lui a volé sa petite amie en terminale, mais il connaît le secret sur Mia euh, que tout le monde ignore. Celui-ci possède un compte privé sur les réseaux sociaux où il poste des photos érotiques de lui-même sous des euh, le pseudonyme de Mia M I A alors que tout à l'heure en fait son nom son vrai nom gars c'est M I Y A tu vois il y a le Y qui est parti bref ce serait l'occasion rêvée de lui pour lui faire des chantages mais Maisavois euh, Mia et Mia sont deux euh, entités différentes et même s'ils ne supporte pas le premier il adore le deuxième et commente régulièrement ses photos sous une autre identité. Mais lorsque la réalité rencontre le virtuel, la vie de Miyazawa change du tout au tout. Donc on est avec Koji Miyazawa qui est donc un, un homme euh, tout à fait classique, tout à fait normal, qui a été en couple avec une jeune femme, sauf que Mia M I Y A, à l'époque de euh, donc euh, des études, lui a piqué sa petite amie. Et donc Mia euh, Importe le, le Mia, enfin Mia M-I-Y-A, lui a donc un compte maintenant en tant qu'adulte, en ayant un travail, etc. sur les réseaux sociaux où il cache un petit peu son visage, mais tu sais, un peu comme ça, où t'arrives quand même à voir qui c'est, etc. Et il poste donc des photos assez osées, assez provoques, assez érotiques, etc. Je sais pas s'il ne pose pas des photos avec son engin dans les mains. Je ne suis plus trop sûre. Mais voilà, c'est sinon des photos toutes nues où il se cache un petit peu, des petits trucs comme ça, etc. Bref. Et euh, donc, Maïzawa, lui, est complètement fan des photos, etc. Il adore, il commente vraiment comme un gros fan. Mais euh, il aime Mia M.I. Et Mia, M-I-Y-A, qui est son collègue, il ne le supporte pas, il ne supporte pas sa personnalité, etc. Et on voit que, en fait, l'humain qui est Mia, les deux Mia, eh ben, il a vraiment deux facettes. Et euh, justement, quand Maïzawa va rencontrer Mia et va le voir sous ses deux angles en même temps, bah, est-ce que finalement il va se contenter du virtuel Est-ce qu'il va être intéressé par aussi celui qui le voit finalement à son travail etc j'ai trouvé que ce manga était vraiment très intéressant parce que justement ça montre et ça démontre et je trouve que du coup le message est dedans que des fois ce que tu vois sur les réseaux sociaux et ce qu'il y a dans la vraie vie dans le vrai monde ce sont pas forcément exactement les mêmes personnes alors autant il y a des personnes que je peux te dire que de ce que tu vois sur les réseaux sociaux et quand tu les rencontres en vrai ou tu discutes avec eux après en message privé ce sont les mêmes personnes Miyana, ils ont vraiment une double face, c'est incroyable. Et donc je trouve ça intéressant. Parce que là aussi, par exemple, moi je vais prendre un exemple avec moi-même. Vous savez et vous avez accès à beaucoup d'informations sur ma vie, mais vous ne savez pas tout. Parce que par exemple, vous ne savez pas au quotidien pourquoi, du coup. Il y a des problèmes avec Pika qui est ma chienne. Je précise mon chien, hein, pas les éditions Pika qui sont là, mais Pika, mon chien, ma chienne. Et eh ben il y a une mauvaise entente. Alors que si tu regardes les photos, etc., bah ben, tu la vois dormir avec moi dans le canapé, les, les journées où je vais pas bien, me faire des câlins, me faire des bisous. Mais ça c'est le côté de Pika que vous voyez. Mais il y a aussi un côté de Pika, ma chienne. Je réinsiste au cas où que vous ne voyez pas et que vous ne connaissez pas au quotidien et qui fait que c'est un chien qui devient vraiment insupportable et on ne sait plus quoi faire au point où on a déjà fait venir un éducateur et euh, bah devant lui elle faisait vraiment euh, la, la, le chien tout mignon etc et autant dès que l'éducateur partait elle nous fait la misère et euh, donc ça c'est un aspect mais c'est pareil pour moi par exemple je le dis encore un exemple vite fait mais euh, j'ai eu une personne qui m'a dit que j'exposais je, euh, ma vie et surtout les trucs, par exemple, négatifs de ma vie pour jouer au gros ouin ouin et jouer à la victime et que euh, passer pour victime au niveau de ma vie et que les gens viennent me plaindre en message privé, me dire Oh là là, Ibi, je te comprends et tout, euh, ils sont méchants avec toi, alors que pas du tout. Les gens pensent que ça, alors que moi, en fait, je le fais dans un autre but et. Je ne cherche absolument pas à jouer justement au ouin ouin. Et euh, ça m'a fait aussi penser à une personne en décembre qui m'a dit que j'étais capable de me. Euh, on va dire le symbole du zèbre, pour ceux qui comprendraient, euh, juste pour attirer l'attention. Alors que absolument pas. Et euh, même si je devais le faire devant une personne, ce serait pour tout autre type de raison. Et euh, d'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo hein, sur ma chaîne EB euh, World sur la dépression et tout ça, le, les préjugés qu'ont beaucoup de gens et tout ça. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi sur l'univers, la, la dépression, sache l'automuki machin. Si vous avez des questions, allez-y parce que là, franchement, la vidéo. Euh je pense pas que je l'aurais encore filmé et présenté d'ici à ce que toi tu vois celle-ci. Mais voilà, et donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier dans ce titre parce que justement ça te montre que des fois il y a un envers du décor entre ce que tu vois et ce que tu as en vrai. C'est un manga génial, j'ai vraiment adoré. Il est très sympa, très osé. Par contre c'est plus en du 15-16 ans au niveau de l'âge et vraiment c'est un titre au top. On a déjà eu un ou deux titres des éditions Anna qui étaient dans ce genre-là, mais celui-ci, je pense que ça va être mon préféré dans les deux ou trois qu'il y avait eu déjà chez eux. Bon. Je vais juste te citer trois des titres. On va avoir Le Printemps encore brisé, Light Night Sweet, et Je peux pas dire le dernier mot, et Tout au, euh, Tout au bout du chemin, qui sont vraiment mes prochaines lectures. Donc si ces titres peuvent t'intéresser, je t'invite bien entendu à me rejoindre sur YouTube, à t'abonner pour ne pas louper la vidéo. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch. N'hésite pas à les voir dans la barre d'infos pour les liens vers ma boutique, etc. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Tu as donc la prochaine vidéo Anna et la playlist. Sur ce, bye bye!